Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, je vous reprends, ceci est une petite intro à ce tuto. Vous allez voir, j'ai fait la boulette que je vous ai dit à plusieurs reprises de ne pas faire. C'est-à-dire que j'ai mis ma feuille, mon papier à l'envers. Je m'en suis rendu compte avant la fin de la vidéo. Du coup, j'ai pu voir avec vous pour vous montrer comment j'ai fait pour rattraper le coup. Vous avez pu voir maintenant, c'est impeccable. J'ai réussi à rattraper. Franchement, je suis bien contente. Donc, je ne sais pas à quel moment, mais à un moment donné, malgré que j'avais écrit O ici, que j'ai remis après un O ici, je me suis trompée. Donc, faites bien attention. On le met ici et ici. En fait, c'est tout en vous montrant dans l'album photo que je me suis rendu compte de ma boulette. Voilà. Donc, ce coup-ci, ça donne ici et ici. Là, on est bien. D'accord? Donc, à faire attention quand on travaille sur la face extérieure. Voilà. Quand on travaille sur le devant, on met notre collage en haut. Quand on travaille sur l'intérieur, notre collage... Non, alors c'était l'autre en bas et là en haut. Je vais encore me perdre, je le sens. Bref, du coup voilà, donc ici, j'ai toujours laissé pareil tel quel parce que je viens juste de finir le tuto et que je ne sais pas encore ce que je vais mettre ici. Mais comme je disais, j'aurais voulu du foncé à voir. Donc voilà, un petit peu pour ça. Bref, sur ce, je vous laisse avec le tuto. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, vous êtes prêts? Alors, on va y aller. Je vais juste vous remettre correctement. Voilà, on va resserrer un petit peu tout ça. Voilà. Bon. Je vous ai expliqué lors du dernier tuto comment se passent nos pages. Donc, celle-ci va être collée avec la bande ici, là. Comme ça. D'accord? Mais du coup, on le met là. Et c'est à l'envers. On est bien d'accord. Hop. Pour vous fier à l'idée, vous mettez, pour pas vous tromper, vous êtes sûr que, voilà, là où on va coller, hop, et nous on va travailler comme ça. Ok? Bon. Attention, vous ne trompez pas. Par quoi commence-t-on? Ici. On va prendre une feuille de 14,5 par 21 cm. Pourquoi 14,5? Tout simplement parce que on va pouvoir coller une feuille couchée. Enfin, un espace photo couché. Puisque moi, je mets des photos 9 par 13, donc des emplacements de 10 par 14. On fait un pli de 1 cm en haut et en bas. On marque nos plis et on biseaute. Et on vient le coller pratiquement centré. D'accord? Si on peut le centrer, c'est encore mieux. Les deux, hein. Et deux, deux. Je suis désolée, je suis malade. Oh. Les changements de temps arrivent. Et du coup, les toux également. Là. Et là. Donc on n'oublie pas, bon, si on tourne nos pages comme moi je fais, on n'oublie pas toujours ici en bas, ok? Bon, ensuite on va venir prendre deux feuilles de 14,5 par 11,5, non c'est le contraire, c'est 14,5 par 11,5, pardon, avec un pli de 1 cm sur le côté, on marque nos plis et on biseaute. On va venir en coller un haut. Et un en bas.
Là, si vous êtes trompé, ça passe encore, c'est rattrapable. Mais ça ne va pas l'être très très longtemps. Hop là. Ok. Je vais juste, pour être sûre de ne pas me tromper par la suite, mettre juste là. Oh, parce que du coup, là où on l'avait écrit, c'est caché. Donc comme ça, quand je vais mettre mon papier décoratif, je sais que je ne vais pas me tromper. Parce qu'ici, il n'y aura rien. D'accord? Ensuite, on va prendre une feuille de 14,5 par 12 cm. Un pli de 1 cm et un autre à 0,5 pour faire un petit gousset. D'accord? Encore une fois, c'est pareil. La taille est faite pour mettre une espace photo. D'accord? Hop. Je vous montre. Ici, pile poil. Je biseote et je colle. Snow, t'as réveillé les bébés! Ils étaient sages, enfin! Depuis tout à l'heure, j'attendais qu'ils se calment enfin pour pouvoir filmer. Parce que c'était la bataille, la bataille, la bataille. Yumi n'arrête pas de martyriser ses petits frères et ses petites sœurs. Et du coup, ça pleure dans tous les sens. Et du coup... ici. C'est bon, sinon ils sont propres. Hop là. Voilà. Donc là, là et là. On va refaire un deuxième en bas, mais plus grand. Ici, on va prendre 14,5 par 17 cm. On fait un pli à 1 cm et un autre à 0,5. Hop là. On bisette sur les 1 cm. Et je viens le coller en bas. Alors, au départ, j'avais prévu de mettre une pochette ici, mais j'ai changé d'avis, je ne vais pas en mettre. Donc là, là, là. Et pour pouvoir fermer nos petits rabats, alors bien évidemment, ici, c'est en passant pour pouvoir mettre des tags, des livrets, comme vous voulez. Et du coup, je vais juste prendre cette pochette-ci. L'autre, c'est pas grave, je m'en servirai pour plus tard. Elle va faire 8 par 16,5, un pli d'un centimètre à droite, en bas et à gauche. On marque nos plis et on biseote. Je vais venir la coller ici. Mais avant ça, hop, je prends ma règle. Je rentre mes intérieurs ici. À 4 ici. 1, 2, 3, 4. Ça fait 4, hein. 14, 10, ouais. Je fais deux plis, deux marques. Je viens prendre ici. Et comme d'habitude, vous avez... alors, je suis désolée, il fait super sombre ici, en fait. C'est juste atroce, il faut que je trouve d'autres lumières. Vous avez le petit embout qui sort. On met là et là, à chaque fois aux extrémités. Hop. Là. Et là. Bonjour mal Olaf. Alors déjà que j'ai pas de lumière Olaf, mais si en plus tu me caches tout, ça va pas le faire. Et ici. Il n'y a rien à voler dans mon tiroir. Oh. Non mais oh. Et je vais venir le mettre juste ici. Oh, là c'est vraiment sombre. Bon, c'est un peu mieux. Qu'en pensez-vous? Oui, j'ai juste surélevé en fait mes lumières que j'avais d'habitude. Et je trouve que c'est beaucoup mieux en fait. Ils étaient plats. Je sais pas pourquoi, je me suis dit que plus ils étaient bas, mieux ça allait éclairer. En fait, non. Le fait qu'ils soient plus hauts éclaire beaucoup mieux. Vous en pensez quoi?
Moi, je trouve que c'est mieux. Donc, du coup, je vous disais donc, je suis un peu éblouie du coup avec la lumière là. On va coller juste ici, et comme ça, en fait, on va pouvoir. Hop, là. Et ici. Alors, entre deux, nous avons eu de la visite. Bonjour Yumi. Viens là. Viens là. Allez, viens. Viens montrer le bout de ton nez, vu que t'es montée. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de la descendre. Elle fait comme l'Olaf. Pourtant, c'est pas sa fille. Qu'est-ce que tu fais là? Dis Yumi. Donc ça, c'est le bébé de Fifi. Dis. Et c'est une petite chippie, un petit monstre. Allez. Tu vas jouer et pas martyriser ton frère, tes frères et tes sœurs. Non mais oh, c'est quoi ce bordel? Hop. Et du coup, on vient le coller juste ici. Je l'ai mis bien correctement. Ici, donc du coup, là, là et là. D'accord? Bon. Le temps pour moi, tout en musique, de mettre le papier décoratif et je vous reprends juste derrière. A heart speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings. As the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. Voilà un petit peu ce que ça donne. Alors oui, je n'ai rien mis ici parce que je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Faut que je regarde dans les papiers que je n'ai pas encore imprimés. Je vois bien du foncé comme ça. Donc à voir s'il n'y a pas un foncé comme ça ou alors je prendrais peut-être du maritime. J'ai pas, j'ai vraiment envie que ça ressorte. Donc ce sera soit ça, soit le papier que je mettrai en fond de ma structure. À voir. Donc ici, ici, ici c'est pareil. Je vais regarder par rapport à mes chutes de papier parce que pour le moment rien n'allait au niveau des tailles. Et ici. Ici, du coup, je n'ai rien mis. J'ai hésité à mettre la pochette que j'avais préparée, du coup. Et je me suis dit, non, on pourra toujours mettre, si on le souhaite, des photos directement posées dedans ou des tags ou délivrées. Pourquoi pas, à voir. Donc là, là, ici, ici. Et on vient fermer avec un tag ou un livré. D'accord? J'espère que cette page vous aura plu. Donc, on va venir la coller. Non, peut-être pas la coller parce que sinon je vais galérer après pour pouvoir finir mes finitions. Mais, donc notre structure est ici. On ouvre. Donc, hop là. Comme vous voyez, ça va aller parfaitement avec. Donc, on va venir le coller comme ça, là. Ce qui fait qu'ici, on a là. Et là, on est à l'envers. Pourquoi je suis à l'envers ? Vous voyez, j'ai fait ma boulette. J'ai fait ma boulette parce que ça n'allait pas comme ça. Je me suis trompée en fait quand j'ai... Je me suis trompée. Voilà, c'est malin. C'est complètement malin là. J'ai plus qu'à rattraper ma boulette. J'ai plus qu'à rattraper ma boulette. Voilà. Et en plus, je vous le dis, hein,
Et non, je sais pas pourquoi, je me suis trompée. Voilà, je vous explique et je me suis trompée. Et n'importe comment où je vais le rattraper, ça va pas le faire. Pourtant, je m'étais bien... Hop, hop. Voilà. Bon, je vais vous tourner une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ma boulette et pour la mettre avant. Et moi, je vais réimprimer le tout et modifier. Ah, comment je peux faire pour modifier tout ça? Bonne question. Comment je vais faire pour modifier tout ça? Alors, en plus je vous explique là et ben voilà. Donc je vais retirer mon papier ici pour pouvoir recoller le même mais par dessus. Et du coup, bon là ça va être à l'envers, c'est pas trop grave. Non, en fait ce que je vais faire, c'est que ça va être tout bête, mais de chez tout bête. Je vous explique. Hop. Je vais couper là. Vous savez, j'avais mis un petit rabat. Ce que je vais faire, c'est que je vais le retirer. Et je vais le couper. Parce que je crois que si... En fait, il faudrait que j'arrive à enlever tout mon... Hop là. Tout mon truc. Alors. Déjà, on va essayer d'enlever ça. Et voilà, et en plus je vous le dis, faites attention, ben non, c'est moi qui me suis trompée. Hop là, là. Ici. Et en fait, il faudrait que j'arrive à retirer délicatement, pourquoi pas, ici. Voilà, j'ai réussi de ce côté-là. Et délicatement. Ici. Voilà. Hop là. Là. Je vais réimprimer le papier. C'est pas ouvert, il faut que j'ouvre d'abord tout mon fichier. Alors attendez, hop, il faut que je retrouve mes fichiers. Je vais le réimprimer. Et du coup, donc là. Et le pire, c'est que j'ai bien mis mon haut là. Et du coup, je vais le recoller, mais ici, dans le bon sens ce coup-ci. Et le pire, c'est que j'avais bien mis au départ et il a fallu que je fasse la boulette. Bref. Du coup, j'imprime ça et je vous fais une petite vidéo pour vous la mettre juste avant. D'accord? Bon. Au moins, vous avez vu comment on peut faire pour rattraper la petite boulette. Ça va, mon papier n'est pas trop abîmé. Du coup, ce sera ni vu ni connu. D'accord. Bon allez, moi je vous laisse, je rattrape ça et je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo. 1, 2, 3. Attends. Je vous laisse, moi je vais rattraper ça et puis je vous dis à très vite pour la suite du tuto bien sûr. Allez, bisous.